ciel avec notre mère. C'est ça notre foi, c'est ça notre espérance, c'est ça notre force pour elle. Vraiment, au nom de la famille bénédictine, nous vous disons encore nos condoléances. Nos condoléances à toute la famille. Sachez que elle est une mère pour tout le monde. Elle est une mère pour nous tous. Voilà. Merci encore. Et union de prière.
coca que nous parlons dans les glaces en Capitole. Ma mimosa, ma michouchou, ma vie bricolage, Charlotte, Chacha, Lago, la maman. Autant de sobriquets pour désigner une personne dont la présence nous manquera cruellement. D'après toi, ta santé fragile n'aurait pas dû te permettre de l'éviter. Mais Dieu, notre Seigneur, savait qu'il ne faudra moins de 87 ans pour que chacun de tes frères et sœurs, de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants portent en eux un souvenir éternel. Merci pour les 87 années passées à soigner nos bobos, à partager nos fous rires, à nous apprendre la générosité, le partage et le sens de la famille. Merci pour tous les je t'aime cachés derrière les tatouages, les plantes et les plats cuisinés. Merci pour les prières qui nous ont transportés et les forces nous abandonnées. Et par-dessus tout, merci pour l'empreinte que tu as laissée dans nos vies et dans laquelle quiconque s'approche suffisamment pourra y voir gravé ton nom. Que le Seigneur t'enveloppe de sa grâce et que tu trouves la paix dans la chaleur de son étreinte. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. Nous, les agrégés, ceux de Saint-Pierre et de Saint-Jean, ainsi que les membres de Saint-Benoît et Saint-Pierre-Julien aimant, toute la famille émardienne, te disent merci, merci pour tout. Tu te donnais sans réserve. Tu étais une bonne conseillère, vigilante, agissante et efficace. Tu aimais que les choses soient faites dans une parfaite organisation. Tu étais une femme de prière, très discrète, généreuse, joyeuse et coquette. Tu allais à l'essentiel sans détour. Dieu, ce n'est qu'on au revoir. À Dieu, nous te confions sous le regard de notre très chère maman du ciel, la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Eucharistie, en compagnie de Saint-Joseph, de Saint-Pierre-Julien Aymar et de Saint-Benoît. Que de là-haut, notre Seigneur Jésus te permette de t'asseoir à ses côtés par la force de son Esprit Saint. Repose en paix, Mamie Charlotte. Implorons la miséricorde de Dieu sur Mamie Charlotte et sur nous-mêmes. Yeah.
commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parole du Seigneur. Pour accomplir les rites
laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Cette parole, c'est le message de l'enfant que nous Charlotte, comme Siméon et Anne, attendez aussi cette délivrance d'Israël, cette délivrance de tout un peuple opprimé, tout un peuple qui n'attendait que la paix de l'âme et du corps. Si nous pouvions retracer la vie de Mamie Charlotte, son engagement dans l'Église, spécialement dans les groupes où elle faisait partie, les Amis Oblates de Kermoussa, les agrégés du Saint-Sacrement et aussi responsable de la section Saint-Pierre de la vie montante. Mamie Charlotte était partout. Elle ne quittait pas le temple comme Anne, priant toujours pour ses enfants, pour sa famille et pour tous ceux et celles qui se confiaient à sa prière. Elle savait rendre grâce à Dieu. Et même les moments difficiles, nous ne pouvions pas voir Mamie Charlotte se lamentait. Elle était comme cette Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Mamie Charlotte, de la Guinée-Conakry, où nous avons trouvé les traces de son baptême, était toujours en lien avec ses parents. Elle avait une fille adoptive, la sœur Marie-Louise, des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui voulait bien être là, mais les conditions ne le permettent pas, celle qui nous a d'ailleurs trouvé l'extrait de baptême. Toutes nos communautés chrétiennes ici, les CEB, tout le monde connaissait. Nous pouvions être plus que cela, mais les conditions ne le permettent pas. Tant d'autres ont appelé pour dire « Je ne suis pas là, mais ma prière est avec vous, en communion avec vous. » C'est ça la foi. Mamie Charlotte s'en est allée très tôt. Très tôt, pas par l'âge, mais du fait qu'elle est entrée à l'hôpital, rapidement guérie, elle est revenue à la maison et aussitôt retourné à la clinique. Nous n'avons même pas pu parler à la clinique. J'étais très, très agitée, comme si elle disait non, pas maintenant. Mais le Seigneur a décidé autrement. Et aussi, ce qui l'a affecté le plus, le décès de son enfant, Edouard.
C'est comme s'il disait, non, ce n'était pas juste qu'Edouard parte et voulait accompagner coûte que coûte Edouard. Ils seront aussi heureux au paradis, là où le Père Céleste regarde l'amour d'une mère et d'un fils. Considère aussi les œuvres de Mamie Charlotte. Nous, au groupe des agrégés, l'écharpe que vous voyez, c'est elle-même qui l'a inventée. Oui, nous devons avoir une écharpe. Mais une écharpe comment? Non, laissez-moi la tâche. Et elle-même, si la cotisation n'atteint pas ce que l'on demande, elle met son argent. Elle n'avait aucun problème. Voilà un engagement qui n'est pas seulement des paroles, mais des actes. Ainsi pourront dire aussi le groupe des amis de Père Moussa, les Oblats, même engagement. Ils pourront dire encore, et Carvalho est là pour le témoigner, les anciens, les aînés, comme ils les appelaient, ils aimaient s'appeler entre eux. L'aînée Charlotte est partie et vous laisse un témoignage vibrant. Un engagement que vous devez continuer. La vie montante, elle n'est pas descendante, justement par l'espérance qui monte vers le ciel. Là où nous tous nous rencontrerons, là où nous tous nous sommes attendus, chacun à son jour, pour louer Dieu infiniment. Merci, Mamie Charlotte. Merci pour ton témoignage. Merci pour ce que tu as été pour nous et ce que tu seras pour le Seigneur. Adressons à Dieu nos humbles prières pour Mamie Charlotte et pour chacun de nous, particulièrement pour la famille qu'elle laisse en deuil. Thank you.
garder confiance en ta parole. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que notre mort, Seigneur, nous te supplions pour ta servante Charlotte Ndiaye Ajabon, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant l'absoute, nous vous rappelons que les condoléances sont reçues au téléphone. La situation oblige. Et au cimetière, les parents, la famille stricte des agrégés de la vie montante et les amis de Cœur Moussa pour repérer là où on a inhumé Maman Charlotte, pour qu'un jour, si quelqu'un veut se recueillir, hein, vous comprendrez, la situation du pays oblige. Merci. Au nom du Père Yves Sagnan, supérieur provincial de la Congrégation des religieux du Saint-Sacrement, au nom de tous les prêtres religieux sacramentins, au nom des agrégés, nos sœurs, nos frères, laïcs, au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Pierre, nous présentons nos sincères condoléances aux enfants de Maman Charlotte et à tous ses parents. Maman Charlotte faisait tout dans le silence, le calme et la discrétion, parce qu'elle savait que Dieu ne regarde pas nos agitations, ce que nous faisons, mais regarde le cœur. Voilà, comme quelqu'un le disait, cette femme avait un grand cœur. Nos prières, c'est la porte du paradis. Est fermée, nos prières et les prières de tous ces prêtres qui célèbrent, dont une messe pour elle, bousculeront cette porte pour que Mamie Charlotte entre au paradis. Nous lui disons un grand merci, comme le Père Denis l'a dit, pour son témoignage d'engagement dans le silence, le calme et la discrétion. Le moment est venu de lui dire adieu. Nous allons nous séparer de notre sœur. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse. Mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons revoir Mamie Charlotte quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Thank you.
croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, nos fils. Charlotte, voici cet enfant qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Que ma prière devant toi. Charlotte a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi. Jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la périque.